إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ça c'est le cours numéro 3 dans notre livre Kitab al-Tawhid. On vient de commencer, et puis alhamdulillah, donc on va rentrer aujourd'hui dans le sujet du tawhid. Et le tawhid, c'est le sujet le plus important dans l'islam, comme on a expliqué depuis les cours derniers, et puis depuis les années dernières aussi, parce que ça fait environ 3 ans qu'on a commencé à faire des durus, et on a toujours mis la concentration et l'importance sur le tawhid et sur l'aqidah. Donc c'est pour montrer que ça c'est notre priorité et c'est ça qui est le plus important, yani. Donc sur les 3 ans qu'on a fait, yani, de durus sur l'aqida et sur le tawhid, yani, alhamdulillah, on a concentré et mis des efforts sur ça, et c'est pour montrer que c'est ça la da'wa de tous les messagers d'Allah, et c'est ça le plus important dans l'islam, c'est la base de toute chose. Donc c'est important pour tous les musulmans de donner à ce sujet-là une priorité dans leur sujet, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils vivent. C'est pour ça que, actuellement, on voit que, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois, il y a beaucoup de musulmans qui négligent l'importance du tawhid, Ils pensent que c'est une chose secondaire, et donc encore une fois, c'est nécessaire de toujours rappeler aux gens que ça, c'est la priorité dans l'islam. C'est le fondement de la religion, et c'est ça que chaque musulman doit étudier en détail et de façon approfondie pour le comprendre comme il faut et pour être capable de l'expliquer aux autres. Malheureusement, on trouve que c'est pas ça ce qui se passe. Mais quand même, on espère que avec le temps, inshallah, avec l'effort et puis avec la patience, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre le cœur des musulmans pour leur faire réaliser l'importance de ce sujet-là, hein, et puis les ramène à la base. Quand on écoute des fois les conversations des gens entre eux, on voit que souvent c'est des conversations futiles, des sujets futiles, des paroles inutiles. Des fois les gens on perd tellement notre temps, donc si on utilisait le peu de temps qu'on a pour essayer d'apprendre un peu plus notre aqida et notre religion, et on verrait beaucoup de changements dans nos façons de vivre. Et même un musulman ou une musulmane qui ne pratique pas l'islam comme il faut, hein, si par exemple quelqu'un fait les prières mais il fait des péchés ou il néglige d'autres aspects de la religion, si au moins il connaissait son tawhid, et si au moins il connaissait cette aqida, on verrait qu'il y aurait beaucoup de choses qui pouvaient changer dans sa pratique de l'islam et s'améliorer. Mais souvent, les gens, ils ont une faiblesse dans leur pratique de l'islam à cause d'une faiblesse qu'ils ont justement dans leur compréhension du tawhid. Parce que ça va ensemble, hein. Quelqu'un qui, plus que son tawhid est fort, plus que sa pureté dans ses intentions est forte, et bien plus que sa religion et son adoration va augmenter, hein. Donc, on va commencer. Le cheikh il dit, والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا ومعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فمن أفرد الله بالعبادة ف
فقد وحده يعني أفرده من غيره يقال وحد وثنى وثلث وحد معناه جعل الشيء واحدا وثنى يعني جعل الشيء اثنين وثلث جعل الشيء ثلاثة إلى آخره. Donc le chef explique l'origine du mot tawhid dans la langue arabe et il dit que c'est le masdar du verbe wahada yuwahidu tawhidan, c'est-à-dire c'est le verbe d'unifier, de rendre quelque chose un, de faire que quelque chose devienne une un. Et donc on dit wahada wasanna wasallata, c'est-à-dire si on dit wahada ça veut dire unifier, si on dit sanna ça veut dire de faire que quelque chose devienne deux. Et si on est salata, ça veut dire quelque chose devient trois. Hein, quand on parle de la Trinité des chrétiens, on dit at-taslith, hein, ça veut dire la Trinité, de faire quelque chose devenir trois. Comme les chrétiens, ils ont sept dieux devenir trois. Hein, et nous, on dit wahada yuwahidu tawhidan. Tawhidan, ça veut dire faire que quelque chose devienne un. D'accord? Et donc, ça veut dire que d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça ce que le cheikh explique, il dit que la signification du tawhid c'est quoi? C'est ifradullah bil ibadah, c'est-à-dire de rendre Allah subhanahu wa ta'ala, de rendre à Allah notre adoration à lui exclusivement. D'accord? C'est de limiter notre adoration à lui seul. C'est-à-dire qu'on ne doit offrir aucune forme d'adoration à autre que Allah. Donc celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a offert son adoration à Allah seul. Et il n'a offert à autre que Allah aucune adoration. Il n'a offert à personne et à rien d'autre en dehors d'Allah, il n'a rien à adorer en dehors de lui. Donc, comme on a dit, on peut dire wahada, on peut dire sanna, on peut dire salata, et ça veut dire de faire quelque chose devenir un, ou de faire quelque chose devenir deux, ou de faire devenir quelque chose devenir trois. Mais le tawhid dont on parle maintenant, nous on parle de tawhid, c'est-à-dire de rendre quelque chose et de faire que quelque chose devienne un. Et en particulier dans l'adoration. On va expliquer en détail, inshallah. Le cheikh dit que tawhid ma'nahu lughatan ifradu shay'an an ghayri. Donc, dans la langue, le mot tawhid c'est ifradu shay', c'est-à-dire de rendre quelque chose, yani de rendre quelque chose exclusif et de le séparer des autres. OK? Et أما معناه شرعا فهو إفراد الله تعالى بالعبادة. Et dans la charia, dans la religion, c'est de rendre l'adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le tawhid. Comme le cheikh a expliqué, il dit والتوحيد ثلاثة أنواع على سبيل التفصيل. Donc le tawhid, il est divisé en trois catégories, d'une façon plus détaillée. Il dit النوع الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وتدبير الخلائق وهذا توحيد الربوبية وأنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا ضار ولا نافع إلا الله هذا يسمى توحيد الربوبية وهو توحيده بأفعاله فلا أحد يخلق مع الله ولا أحد يرزق مع الله ولا أحد يحيي ويميت مع الله سبحانه وتعالى. Donc la première catégorie de tawhid c'est tawhid al-rububiyya. Il y a trois catégories de tawhid. La première c'est tawhid al-rububiyya, le tawhid l'unicité d'Allah dans la souveraineté, al-rububiyya. La royauté ou la souveraineté. Mais la souveraineté c'est plus large que la royauté. D'accord? Donc, Yanni, qui peut m'expliquer c'est quoi Tawhid al-Rububiyya? Hein? Vas-y. En français. Ok. Ok.
ويعني une chose importante que tu as oublié, توحيد الربوبية. Ça c'est après. Les caractéristiques de quand on parle de tawhid al-rububiyya, on parle de certaines choses. Donc, c'est-à-dire qu'on unifie Allah dans sa souveraineté et ça implique des choses. Parmi les choses que ça implique, il y a des exemples que le frère a mentionnés, comme par exemple le fait que c'est Allah qui donne et celui qui enlève, que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, des choses comme ça. Mais également, c'est important de ne pas oublier que ça implique également que c'est lui qui crée. Yakhluq. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul qui crée tout, qui contrôle tout, qui fait vivre et qui fait mourir et qui s'organise et qui organise tout dans la création. D'accord? Donc quand on dit tawhid al-rububiyya, c'est ça ce que ça veut dire. Ok? Et donc le cheikh il dit, wa hadha yusamma tawhid al-rububiyya. Le cheikh il dit, il y a personne qui crée. Il y a personne qui crée excepté Allah. Il y a personne qui donne le reste excepté Allah. Il y a personne qui fait vivre excepté Allah. Il y a personne qui peut te nuire excepté Allah. Il y a personne qui peut te profiter excepté Allah. Donc ça, on appelle ça comment? Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya. Et le Cheikh il dit, wa huwa tawhiduhu bi af'alihi subhanah. Fala ahadun yakhluqu ma Allah. ولا احد يرزق مع الله ولا احد يحيي ويميت مع الله. Donc ça c'est l'unicité d'Allah dans les actions d'Allah. D'accord? L'unicité d'Allah dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a personne qui peut créer avec Allah, il y a personne qui peut donner la subsistance avec Allah, et il y a personne qui peut faire vivre avec Allah, et il y a personne qui peut faire mourir avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire c'est juste Allah qui fait ces actions-là, il n'y a personne d'autre en dehors de lui qui peut les faire. non. Donc tout ce qui se produit dans l'univers, hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est à l'origine de tout, ces choses-là. D'accord? Donc même si par exemple, dans le sens qu'on voit les choses qui se produisent, les choses qui se produisent dans l'univers, tout ce qui se produit dans l'univers, c'est uniquement par sa force, sa puissance et sa volonté. C'est ça ce que ça veut dire. Le cheikh dit, « وَهَذَا النَّوْعَ مَنْ أَقَرَّ بِهِ وَحْدَهُ لَا يَكُونِ مُسْلِمًا لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ الْكُفَّارِ كَمَا ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَى فِي الْقُرْآنِ في آية كثيرة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله فيها أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والرزاق والمحيي والمميت ومع هذا لا يكونون مسلمين لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني الذي هو مدار المطلوب. Bon, le cheikh il explique maintenant un point important. Il dit quelque chose. En premier, je vais vous poser une question. Là que vous avez. Non, mais là, ça y est, vous savez, là. Hein? Je peux vous poser des questions maintenant. Ok, donc. Celui qui a cru au tawhid al-rububiyya, est-ce qu'on peut dire qu'il est musulman s'il a seulement cru à tawhid al-rububiyya? Non. Pourquoi? Ok, mais pourquoi quelqu'un qui le dit, il n'est pas nécessairement musulman encore? Exactement, parce que les kuffars, ils ont déjà cru à ce genre de tawhid. Et est-ce que vous pouvez me mentionner des exemples de ça dans le Coran?
des exemples de, du fait que les mouchriquins ont approuvé ça dans le Coran. Juste un verset. Ok. Puis toi, Mohamed, ok, voilà, il sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda fayaquluna Allah. Ok, la tansa hadhihi al-aya. Exactement. Donc ça, c'est là, les exemples des versets qui montrent ce point-là. Et c'est ça ce que le chef explique ici. Il dit, celui qui a cru en cette catégorie de tawhid, il n'est pas musulman encore. C'est pas suffisant pour qu'il soit musulman, parce que même les koufars, ils ont cru à ce genre de tawhid, ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans plusieurs versets, comme le verset 25 dans Surat Luqman. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Et dans un autre verset, comme le verset 31 dans Surat Yunus, dit, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Qui possède l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir la vie de la mort? Et qui fait sortir la mort de la vie? Et qui dirige tout dans les affaires? Qui dirige toute l'affaire? Ils diront Allah. Alors ne le craignez-vous donc pas, n'allez-vous donc pas le craindre. Il y a également un autre verset qu'il a mentionné, le cher, c'est le verset 64 dans Surat al-Naml. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. Qui commence la création puis qui la refait? Et qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Est-ce qu'il y a un autre ilah avec Allah? Y a-t-il une autre divinité, quelqu'un qui mérite l'adoration avec Allah? Et bien entendu, c'est une question qui implique une négation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien avec Allah qui mérite d'être adoré. Et donc, il y a beaucoup de versets de ce genre dans le Coran qui montrent que les mouchriquins, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils affirmaient que Allah, c'est lui le créateur, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, et malgré tout ça, ils n'ont pas été considérés comme étant des musulmans. Pourquoi ils n'ont pas été considérés comme étant des musulmans? Parce qu'ils n'ont pas amené, ou ils n'ont pas cru en la deuxième catégorie de tawhid, qui est en réalité le but du tawhid, c'est-à-dire l'application de cette connaissance-là, du fait qu'on a cru et qu'on a compris tawhid al-rububiyya. Une fois qu'on a compris que Allah c'est le maître de la création, c'est lui le maître et le créateur de tout, eh bien, ça implique quoi ça? Ça implique qu'on doit l'adorer, et qu'on doit adorer lui seul. Hein? Si on dit, oui, il est le maître de la création, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui contrôle tout, mais je l'adore lui, et j'adore d'autres avec lui. Ça veut dire qu'on n'a pas compris réellement la signification de tawhid al-rububiyya. Si c'est lui seul qui contrôle tout, pourquoi tu vas demander à autre que lui? C'est contradictoire. D'accord? Donc dans ce sens-là, il faut bien comprendre maintenant la deuxième catégorie, c'est Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya. Et le Cheikh il dit, ma'na ifrad Allah ta'ala bil-ibada. Wa hadha ghayr ifrad bil-khalq wal-rizq wal-tadbir. Bal ifrad Allah bil-ibada bi-an la yu'badu illa Allah. Wa la yusalla. ولا يدعى ولا يذبح ولا ينذر ولا يحج ولا يعتمر ولا يتصدق ولا إلى آخره إلا لله سبحانه يبتغى بذلك وجه الله لا إلا لله يعني سبحانه يبتغى بذلك وجه الله وجه الله. Donc ça veut dire que le cheikh explique que maintenant c'est la deuxième catégorie, c'est Tawhid al-Uluhiyya, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Dans l'adoration. Ok? Et ça c'est différent de l'autre aspect de Tawhid qu'on a expliqué tout à l'heure. Parce que l'autre aspect qu'on a expliqué c'est de dire que c'est seulement Allah qui crée et qui donne la subsistance et qui contrôle tout. Maintenant on parle de l'adoration et on dit que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré. Et quand tu adores Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'adores que lui.
Quand tu pries uniquement pour lui. Quand tu fais un dua, tu fais uniquement ton dua à lui. Et quand tu sacrifies un animal, tu le fais uniquement pour lui. Et quand tu fais un vœu, ou quand tu fais un hajj ou un umrah, ou que tu donnes une sadaqa, une aumône, ou peu importe qu'est-ce que tu fais de bonne œuvre, tu le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et tu le fais uniquement pour son visage, hein, pas pour personne d'autre et pour rien d'autre. وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَقَعَتِ الْخُصُومَ فِيهِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالْأُمَمِ. C'est à ce sujet-là que les conflits sont apparus entre les gens, entre les prophètes et leur peuple, leur nation. Ok. Donc, يعني, le cheikh dit أما الأول فما وقعت فيه خصومة لأن الأمم مقرة بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ولم ينكر توحيد الربوبية ولم ينكر توحيد الربوبية إلا شذاذ من الخلق أنكروه في الظاهر ولكنهم مستيقنون به في الباطن ومع ذلك من ذلك فرعون وإن كان جحد وجود الرب سبحانه وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى فهذا في الظاهر وإلا فهو يقر في قرارة نفسه أنه ليس برب وأنه لا يخلق ولا يرزق وإنما في قرارة نفسه يعترف بأن الله هو الخالق الرازق كذلك الشيوعية في عصرنا الحاضر جحدوها للرب هذا في الظاهر وإلا كل عاقل يعلم أن هذا الكون ما وجد من دون خالق ومن دون مدبر ومن دون موجد أبدا كل عاقل يعترف بتوحيد الربوبية. Donc il y a eu un problème entre les prophètes et les gens auxquels ils sont allés pour les appeler. Il y avait une dispute ou disons un désaccord entre les messagers et leur peuple. Ce désaccord-là était basé sur le tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là-dessus que les gens n'ont pas été d'accord. Ok? Parce que tawhid al-uluhiyya, il n'y avait pas vraiment un gros conflit là-dessus. Parce que la plupart des mouchriquins et des kuffars, ils l'acceptent et ils y croient déjà. Hein? Mais le problème, c'était à propos de l'adoration. Ils croient tous que Allah c'est lui le créateur qui donne le risque, qui donne la subsistance, qui fait vivre et qui fait mourir et tout. Et très peu parmi les êtres humains l'ont nié ça. Mais même ceux qui l'ont nié, ils l'ont seulement nié en apparence. Hein, c'est pour ça que souvent on lit les livres de Tawhid, tu ne vas pas trouver beaucoup de discussions au sujet de la preuve, des preuves de l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que ça, les preuves de l'existence de Dieu sont connues par la plupart des êtres humains sur la Terre. Il y a très très peu, si tu regardes la Terre entière, la majorité des êtres humains croient en l'existence d'un Dieu, croient en l'existence d'un être suprême. Ils vont pas l'appeler Dieu, ils vont chercher un autre nom, hein, pour éviter de mentionner que c'est Dieu. Par exemple, ils vont dire, on croit qu'il y a une force. Ou bien ils vont dire, on croit qu'il y a un être suprême, on croit qu'il y a un être super, une force supérieure, hein. Ou bien il y en a qui disent, on croit en la nature. J'essaie de trouver plein d'autres noms pour éviter de dire que c'est Dieu, hein. Il y en a d'autres qui disent autre chose de ce sens. Donc ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a un être qui est supérieur à toutes les forces, qui est au-dessus de tout et qui a qui contrôle l'univers. Ça, tout le monde, en général, il l'accepte. Et même les gens qui sont parmi les mouchriquins, qui adorent les idoles, qui adorent les animaux, les anges ou les djinns, ou n'importe quoi d'autre, les saints, ils disent tous, oui, il y a un créateur, il y a un être suprême qui est au-dessus de tous les autres qu'on adore. Ok? Donc, ça, c'est quelque chose que tout le monde est d'accord. Et comme le chef, il a donné l'exemple de, par exemple, de Pharaon. Pharaon, le pharaon, il a nié que Dieu existe. Il a dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Il a dit ça. Toutefois, ça c'est en apparence. Il dit ça avec sa bouche. Mais au fond de son cœur,
il est certain et il sait avec certitude que Dieu existe et qu'il y a un créateur qui a tout créé. Mais par arrogance et par fierté, il fait semblant, il nie. Okay? Et ça, c'est la majorité des mécréants aujourd'hui qui se disent athées. Okay? Ils disent tous, non, je ne crois pas en Dieu, mais au fond de leur cœur, ils reconnaissent tous et ils savent tous qu'il y a un créateur qui existe et que c'est le maître de l'univers et que c'est Dieu. Okay? Donc, il y en a, par exemple, comme on a dit, qui rejettent le message. Pourquoi ils ne peuvent pas le rejeter? Pourquoi ils ne peuvent pas le nier? Parce que c'est quelque chose qui fait partie de la fitra. C'est quelque chose que Allah a mis dans le cœur de chaque homme, chaque femme, même les enfants, même des petits-enfants, subhanallah, même si tu leur as jamais parlé de Dieu, ils savent. Ils le savent, c'est comme quelque chose qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc tu n'as pas besoin de faire des gros livres avec des grosses discussions pour essayer de prouver que Dieu existe. Ça c'est quelque chose, la plupart des hommes, ils savent et ils sont convaincus de ça. Même ceux qui le disent, même ceux qui le disent pas ou qui l'admettent pas, ils le savent aussi. D'accord? Mais le problème donc, comme le chef il dit, en apparence, ces gens-là, ils le nient. Mais au fond d'eux-mêmes, ils y croient. Même les communistes, le chef il mentionne l'exemple, ils disent, même les communistes aujourd'hui, là, qui disent que tout est matière, il n'y a rien en dehors de la matière qui existe, et que Dieu n'existe pas. La matière s'est créée toute seule, et elle existe toute seule, elle se transforme et tout, et puis il n'y a pas de Dieu qui a créé, qui est derrière tout ça. Cheikh, il dit ça, c'est des gens qui renient et qui rejettent l'existence de Dieu en apparence, mais tout être humain qui a un minimum d'intelligence, il est obligé d'admettre que l'univers ne peut pas exister sans qu'il y ait un créateur qui l'a créé, et sans qu'il y ait un être qui le dirige et qui contrôle qu'est-ce qui se produit à l'intérieur, hein, sans qu'il y ait quelqu'un qui l'a fait apparaître, qui l'a fait exister. Ça, chaque être humain est obligé de le reconnaître, parce que c'est impossible de dire que quelque chose arrive comme ça, sans que rien n'ait été à son origine et à sa cause. D'accord? Donc, alhamdoulilah, ça c'est très important de comprendre ce point-là. Et donc, le vrai problème, c'est tawhid al-ibada, l'unicité dans l'adoration. Hein? Ils ne veulent pas adorer. C'est pour ça qu'ils souvent ils nient l'existence d'Allah, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Allah. Parce qu'ils ne veulent pas obéir à ses messagers. D'accord? Donc, le cheikh il dit, « Amma tawhid al-uluhiyya wa al-ibada, fahada qalla min al-khalq man aqarra bihi, ما أقر به إلا المؤمنون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم الذين أقروا به أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية بمعنى أنهم لا يفردون الله بالعبادة حتى وإن أقروا بالنوع الأول وهو توحيد الربوبية وإن عبدوا الله ببعض أنواع العبادة. الشيخ الإكسبليكسي يذكر le tawhid de l'adoration, tawhid al-uluhiyya ou bien al-ibada, il y a peu parmi les créatures qui ont cru en cet aspect du tawhid. Et ceux qui l'ont accepté, ce sont uniquement les vrais mu'minin, les vrais croyants qui ont suivi les prophètes. Ok? Qui ont suivi les prophètes et les messagers. Et ceux-là, c'est eux qui ont cru au tawhid. Mais la majorité des koufars, ils rejettent cet aspect-là du tawhid, dans l'adoration. C'est-à-dire, ils refusent de rendre l'adoration à Allah comme étant exclusive. Ok? Ils adorent pas du tout Allah, ou bien ils adorent Allah, mais ils adorent d'autres avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, même s'ils ont cru en la première, wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh, même s'ils ont cru en la première aspect, en la première catégorie de tawhid, qui est tawhid al-rububiyya, mais ils ont rejeté cet aspect-là du tawhid, qui est tawhid al-ibada, et ils ont adoré d'autres avec Allah, ou ils ont donné certaines adorations à autres que Allah. Bon, maintenant le cheikh dit « ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا »
prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux mushrikines quand ils s'adressaient à eux, dites la ilaha illallah tuflihu. La ilaha illallah, c'est une petite parole, une petite phrase, il n'y a pas beaucoup de mots dans cette phrase-là, sauf qu'elle a une grande signification et une grande implication. Ok, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? نعم فبذير لا معبود بحق إلا الله قله أوكي التوحيد فبذير إن يعريك مغيد يتخدري إكسبت الله لا إله إله فبذير معبود كيسكي أدري بعليجان إلا الله لا معبود بحق إلا الله بس كإن يدي شوز كليجان أدار ما يمغيد يتخدري parce qu'ils ne créent rien, ils ne contrôlent pas l'univers, ils n'ont rien créé, ils sont impuissants, donc ils ne méritent pas d'être adorés. C'est seul Allah qui mérite d'être adoré. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? D'accord. Alhamdulillah. Donc ça c'est la signification de la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dire aux mouchriquins, aux idolâtres, aux gens qui adoraient autre avec Allah, il est venu leur dire, dites cette phrase-là, dites la ilaha illallah. Et il leur a dit, tuflihu. Tuflihu, ça veut dire, vous allez quoi? Vous allez avoir al-falah. Vous allez avoir le succès. C'est quand tu fais l'adhan, puis tu dis, hayya al-falah. Al-falah, c'est le succès. Donc il leur a dit, dites la ilaha illallah, tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous allez avoir le succès. Dans cette vie et dans l'autre. Non. Non, le falah, c'est, oui c'est ça, comme tu vas gagner quelque chose, tu vas avoir un succès, une merde. Donc, pourquoi, est-ce que c'est dur à dire cette phrase-là, est-ce que c'est compliqué à prononcer, est-ce que c'est dur à dire, hein? Même un enfant, tu lui dis la ilaha illallah, il est capable de le répéter, même un non-musulman, même quelqu'un qui n'est pas arabe, tu lui dis la ilaha illallah, il est capable de le répéter, ouais c'est ça. Donc c'est pas dire la phrase qui est difficile, mais c'est que si quelqu'un a compris sa signification, il refuse, et qu'il refuse de le dire, c'est parce que il a compris que il a compris ce que ça implique du fait qu'il doit adorer seulement Allah, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il doit le rejeter. Et c'est pour ça donc que les mouchriquins, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne voulaient pas le dire. Pas parce que c'est difficile, pas parce que c'est trop long, pas parce que c'est trop difficile, pas parce que c'est dur à prononcer, parce qu'ils ont su qu'est-ce que ça veut dire. Ils ont compris sa signification, ils ont compris qu'est-ce que ça implique. Et donc, étant donné qu'ils n'étaient pas d'accord avec qu'est-ce que ça impliquait, ils ne voulaient pas abandonner leur Dieu et leurs idoles, ils ont refusé de le dire à cause de ça. Hein? Donc, le cheikh il dit, « وَقَالُوا أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ فَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ دونك quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de dire la ilaha illallah, ils ont refusé. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit la réponse comme Allah l'a mentionné dans le verset dans le Coran, c'est surat Sa'd, le verset 5 jusqu'à 9. Ça dit, est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités, il les a-t-il pris, il a fait un seul Dieu avec? Hein? Et ça, c'est une chose étonnante. Alors, il a dit, allez-vous-en, et restez fermes, et soyez endurants avec vos idoles. C'est-à-dire, allez-y, et restez fermes, et endurez,
restez avec vos idoles. En voulant, ils les encourageaient, et les mouchriquins, ils s'encourageaient à rester dans l'idolâtrie entre eux. Hein. Restez avec vos idoles. Et c'est ça ce qu'il faut faire, c'est ça ce qui est souhaitable. Et ils s'encourageaient en disant, on n'a pas entendu rien de semblable dans l'ancienne religion, c'est-à-dire dans le christianisme. Razan, il dit ça, c'est une chose qui a été inventée. En parlant de l'islam et du message du tawhid, de la ilaha illallah, il croyait que c'était quelque chose de nouveau, quelque chose d'étrange. Est-ce que c'est sur lui que le rappel a été envoyé en dehors de tout le monde, à l'exception, c'est-à-dire c'est à lui seul, c'est à lui que le message est descendu, sur lui, et pourquoi pas sur quelqu'un d'autre, en voulant dire, il n'est pas mieux que nous, pourquoi c'est sur lui que le message est descendu. Et ils sont, en réalité, ils sont plutôt dans le doute au sujet du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en réalité c'est parce qu'ils n'ont pas encore goûté au châtiment. Est-ce que c'est à eux, est-ce que c'est eux qui possèdent les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, Al-Aziz, le puissant, Al-Wahhab, celui qui donne à sa création de tout ce qu'il veut, de sa subsistance. Donc, Alhamdulillah, ça c'est qu'est-ce que les mouchriquins ont répondu quand ils ont entendu la ilaha illallah. Il y a un autre verset aussi dans Surat As-Saffat. Je ne sais pas le numéro, mais c'est dans les premiers versets, dans Surat As-Saffat. وَإِذَا إِنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ. Il y a un exemple aussi, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux mouchriquins, dites la ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Non mais, réfléchissez un petit peu à ça là, subhanallah. Imaginez, quelqu'un vous vient et vous dit, dites la ilaha illallah, vous allez avoir le succès. Qu'est-ce qui vous empêche de le dire? Hein? Est-ce que c'est dur à dire cette phrase-là? Mais les gens aujourd'hui, déjà, n'importe qui, que ce soit des gens qui ne sont pas musulmans aujourd'hui, ici au Québec ou ailleurs, en France ou en Europe, n'importe où, quand vous leur dites, dites la ilaha illallah, ils vont, est-ce que vous pensez que pour eux, c'est facile de le dire? C'est facile de prononcer la ilaha illallah, mais quand ils savent qu'est-ce que ça implique, c'est ça souvent ce qui les empêche de le dire, parce qu'ils ne veulent pas abandonner le shirk, ils ne veulent pas abandonner leurs idoles, ils ne veulent pas abandonner tout ce qu'ils ont appris comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne veulent pas abandonner leurs passions et leurs désirs, ils ne veulent pas abandonner tout ce que Allah a interdit et commencer à respecter tout ce que Allah ordonne. Donc c'est pour ça qu'ils refusent de le dire, même s'ils savent que c'est la vérité. Tu leur demandes, est-ce que vous avez des doutes qu'il y a un créateur et que celui qui mérite d'être adoré? Ils ne vont pas douter de ça. Personne ne peut douter de ça. Et même s'ils doutent, c'est parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est parce qu'ils font semblant pour montrer qu'ils rejettent ça. Alors qu'en réalité, au fond de leur cœur, ils savent que c'est la vérité. Hein? Donc c'est le point, en fait, c'est le point central de la question. Le cheikh, il dit, « Fahoum, abou an yakoulou la ilaha illallah, ma'a annahum ya'tarifuna bitawhid al-rububiyya, walakin abou an ya'tarifu bitawhid al-uluhiyya, الذي هو إفراد الله بالعبادة وهم يقولون نحن نعبد الله ونعبد معه غيره من الشفعاء والوسطاء الذين يقربونهم بزعمهم إلى الله زلفى واتخذوهم وسائط بزعمهم وأبوا أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة وقالوا لا تذرن آلهتكم وهذا في قوم نوح والوتيرة واحدة والوتيرة واحدة من أول الكفار لآخرهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وكذلك عباد القبور اليوم يقولون لا تذرن الحسن والحسين والبدوي وغير هؤلاء لهم فضل ولهم مكانة
اصبحوا لهم انظروا لهم طوفوا بقبورهم تبركوا بهم ولا تذروهم لا تطيعوا هؤلاء الجفاة الذين يدعون إلى ترك عبادة القبور ولا يعرفون حق الأولياء والوتيرة واحدة مثل قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يهوث ويعوق ونسرا. Donc le cheikh explique, il dit que les mouchriquins ont refusé de dire la ilaha illallah malgré qu'ils reconnaissaient que c'est Allah qui est le créateur et le maître et tout, le tawhid al-rububiyya, ça ils ont reconnu, mais ils refusaient de croire en le tawhid dans l'adoration, celui qui signifie qu'on doit rendre notre adoration uniquement et exclusivement pour Allah. Donc ils disent, nous on adore Allah, mais on adore avec lui d'autres divinités, et on les prend comme des intermédiaires et des intercesseurs, et ils nous rapprochent, selon eux, d'après ce qu'ils prétendent, ils disent qu'ils nous rapprochent, ces êtres-là, ils nous rapprochent à Allah, plus près. Ils ont pris, donc, des intermédiaires entre eux et Allah, selon leurs prétentions. Et ils ont refusé de rendre leur adoration exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit, n'abandonnez pas vos idoles. La tazarun alihatakum. N'abandonnez pas vos idoles, ceux que vous adorez. Comme ils ont dit au peuple de Nuh. Quand Noé est venu à son peuple pour leur dire d'adorer Allah seul, le peuple de Noé a dit, la tazarun alihatakum. N'abandonnez pas vos idoles, n'abandonnez pas Waddan, Wala Suwa', Wala Yahuth, Wala Ya'uq, Wala Nasr. Ça c'est les noms des différentes idoles qu'ils avaient à l'époque. Donc le cheikh Ibn Wa'alaikumsalam, il dit ça c'est la même chose dans tous les peuples, chez tous les koufars, ils ont toute cette affaire-là, cette parole-là. Vous allez tous trouver chez eux la même chose. Même aujourd'hui, les musulmans, les gens qui se disent musulmans aujourd'hui, dans les pays musulmans, et qui disent la ilaha illallah, et qui adorent les tombes, ils disent n'abandonnez pas Al-Hassan ou Al-Hussein. Quand ils prient les petits fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui vont à leur tombe pour les adorer, ils disent n'abandonnez pas Al-Hassan ou Al-Hussein, n'abandonnez pas Ahmed al-Badawi, celui qui est enterré en Égypte. Et qui a une grosse dôme, non, c'est pas un sahabi, c'est un cheikh soufi. C'est un cheikh soufi un cheikh des soufis qui est enterré en Égypte. Et ils ont construit sur sa tombe une grosse dôme. Et ils vont chaque année faire des pèlerinages là-bas. Près de 3 millions de musulmans vont là-bas chaque année pour prier cet homme qui est enterré. Donc, quand tu leur dis ça, que ça c'est pas bon qu'il faut adorer Allah seul, ils disent non, abandonnez pas Al-Badawi, n'abandonnez pas Al-Jilani, n'abandonnez pas les autres dieux qu'ils peuvent adorer. Les chrétiens, ils disent n'abandonnez pas l'adoration de Jésus, n'abandonnez pas l'adoration de Marie, n'abandonnez pas l'adoration des saints que les gens adorent en dehors d'Allah. Donc, ils ont tous cette même parole, entre eux. Et ils disent quoi? Ils disent ils ont un mérite auprès d'Allah, ils ont un statut élevé auprès d'Allah. Sacrifiez pour eux des animaux, et faites-leur des vœux, et faites des tournez autour de leur tombe, et cherchez auprès d'eux la baraka, la bénédiction, le baraka. Et ne les abandonnez pas. Et n'obéissez pas à ceux qui vous dites de ne pas les adorer, de ne pas les prier, et de ne pas aller à leur tombe. N'écoutez pas ceux-là, ils veulent pas, il y en parle des gens qui appellent au tawhid. Non, écoutez pas ces gens-là, ça c'est des gens, ils n'ont pas de respect pour les hommes pieux. Ils n'ont pas de respect, ils ne reconnaissent pas les droits que les hommes pieux ont. Et donc c'est la même parole que le peuple de Noé a dit à l'époque de Noé, et n'abandonnez pas vos idoles, et n'abandonnez pas Wad et Suar, Yahuth et Ya'uq et Nasr. Donc ça c'est des exemples. Parce que le shirk est apparu
à l'époque de Noé, dans le peuple de Noé, et ça on va y revenir inshallah. Le cheikh dit والحاصل ان النوع الثاني هو توحيد الالوهيه وهو افراد الله تعالى بالعباده وترك عباده ما سواه وهذا هو الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب كما تقرؤون في هذه الايات التي سمعتم كما قال في كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما ما قال الا ليقر باني انا الرب لان هذا موجود ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما قال ان اقروا بان الله هو الخالق الرازق لان هذا موجود وهو وحده لا يكفي الشيخ الزيد دونك que la deuxième catégorie, comme on a expliqué, c'est Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire le Tawhid dans l'adoration, et c'est de rendre notre adoration uniquement pour Allah, et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le but pour lequel tous les messagers d'Allah ont été envoyés à la création. Et c'est le but pour lequel Allah a fait descendre tous les livres. Et comme vous le lisez dans les versets que vous avez entendus, hein, comme par exemple le verset qui dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire Allah nous a créés uniquement pour qu'on l'adore lui seul. Et donc le cheikh dit « Allah, il n'a pas dit dans ce verset « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils reconnaissent que je suis le Seigneur et le Créateur. Hein, » parce que les gens ils croient déjà en ça. Le verset ne dit pas وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُكِرُّ بِأَنِّي أَنَ الرَّبِ Les gens qui savent déjà que Allah c'est le Créateur et le Maître et le Pourvoyeur, etc. Ils savent tout ça déjà, ils croient en ça déjà. C'est pas pour ça que les messagers sont venus pour appeler les êtres humains seulement à ça. Ils sont venus pour dire aux gens, vous avez cru que Allah c'est le Créateur et le Pourvoyeur? Alors adorez-lui seulement, pas d'autre en dehors de lui. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, abandonnez-le. Abandonner tous les idoles, toutes les choses que les hommes adorent en dehors d'Allah et adorer Allah seul, lui seulement, rien d'autre. Et donc, ça c'est le message des messagers. Et quand Allah il dit par exemple dans le verset 36 dans Surat al-Nahl, et nous avons suscité dans chaque nation un messager pour dire adorez Allah et écartez-vous du tarout, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le cheikh il dit, Allah n'a pas dit et qu'il a envoyé des messagers pour qu'ils disent « Reconnaissez que Allah c'est lui le Créateur et le Pourvoyeur ». Il dit ça, les gens ils savent déjà, c'est déjà présent. Les gens ils savent déjà que Allah c'est lui le Créateur et le Pourvoyeur. Et ça ne suffit pas si quelqu'un fait juste reconnaître que Allah est le Pourvoyeur et le Créateur. Les gens ils savent déjà ça. Le pire des mouchriks ici, au Canada même, le pire des mouchriks, que ce soit un chrétien ou un autre, ils vont lui demander « Est-ce que Dieu a créé le monde ?» Il va te dire « Oui ». Il y a pas de, ils vont pas débattre avec toi. Il n'y a pas un kafir, un mouchik qui va débattre avec toi sur la question est-ce que Dieu a créé le monde ou non. Hein? Même un athée, il va reconnaître, il va dire ouais, il y a une force qui a créé tout, quelque chose comme ça. Hein? Il va dire ouais, c'est sûr, il y a une force, quelque chose, ouais. Hein, c'est la nature. Donc c'est pour ça. Et le cheikh il dit وهذا توحيد الألوهية جحده المشركون وهم أكثر أهل الأرض في قديم الزمان وحديثه أبوا أن يتركوا آلهتهم وأن يفردوا العبادة وأن يفردوا العبادة لله عز وجل وأن يخلصوا الدين لله عز وجل زعمين أن هذه الوسائط وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند الله وأنهم يقربونه من الله وأنهم إلى آخره وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Cette catégorie du tawhid, qui est le tawhid dans l'adoration, la majorité des mouchriquins, ils l'ont rejeté. Et ça, c'est la plupart des hommes sur la terre. Depuis le temps passé dans les anciens temps jusqu'à aujourd'hui. Hein? Ils refusent d'abandonner leurs idoles.
Ils refusent de laisser tomber leurs idoles et de rendre leur culte exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et de purifier leur religion pour Allah seul. Et ils s'imaginent que ces intermédiaires qu'ils ont pris sont des intercesseurs et qu'ils vont intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils vont les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils se font plein d'idées à propos de ces intercesseurs et de ces intermédiaires-là. Et comme le cheikh il explique, il dit « وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَمَالَهُمْ » Le diable a embelli leurs actions, hein, « فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ » Il leur a donc obstrué le chemin. « وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ » Et ils ont été appelés à comprendre et à voir clair, mais hélas, ils se sont aveuglés. Maintenant le cheikh il dit « وَالنَّوْعُ الثَّالِثِ تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ » بِمَعْنَى أَنَّنَا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc le cheikh il dit, la troisième catégorie de tawhid, c'est le tawhid dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on doit affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même. Et on doit affirmer également ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah comme nom et comme attribut. Sans faire de déformation des sens, de tahrif, et sans négation également, sans nier les sens et les significations réelles des noms et des attributs. Donc, il ne faut pas nier, il ne faut pas déformer le sens, il ne faut pas nier le sens directement ou indirectement. Wa min ghayri takyifin wa la tamthil, c'est-à-dire quand on affirme le nom et les attributs d'Allah, on ne demande pas comment sont ces attributs à Allah et on ne fait pas de ressemblance également. On ne fait pas de comparaison ou de ressemblance entre Allah et sa création. D'accord? Donc, c'est quoi les règles? Les quatre points qu'il faut respecter en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah. En arabe. Ok, répète encore. Recommence. Oui, donc c'est ça, les quatre, c'est ça. Sans tahrif, sans ta'til, sans takyif et sans tamthil. On affirme et on croit au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il s'est affirmé pour lui-même et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah. Hein? Comment Allah s'est décrit lui-même dans le Coran? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala avec des attributs, avec des qualités? Ça, on l'affirme tel quel. On rejette rien de ça. On affirme tout et on croit en toutes ces choses-là. Et on ne nie pas l'essence des attributs d'Allah. On ne change pas le sens des attributs d'Allah. Et on ne demande pas comment sont les attributs d'Allah. Et on ne fait pas de comparaison entre Allah et sa création. Ou entre la création et Allah. On affirme tel quel les choses sans le nier. Contrairement aux gens de Bid'ah. Et quand on fait ça, on se base sur le verset 11 dans Sourate Ash-Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui qui voit tout et qui entend tout. C'est lui le voyant, il est Assamir, l'audient et le voyant. C'est lui qui entend tout et qui voit tout. فَثَبَتَ لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est affirmé des noms. Et il a dit, comme dans le verset 180 dans Sourate Al-A'raf, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms. Hein? Alors, invoquez-le par ces noms-là, et yani, laissez ceux qui, yulhidoun, qui laissent ceux qui déforment les noms, qui essaient de déformer
ou de nier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront punis pour ce qu'ils ont fait, yani. Ou seront rétribués selon ce qu'ils ont fait, yani, à cause de leurs actions. وكذلك الصفات نصف الله بما وصف به نفسه أنه عليم وأنه رحيم وأنه سميع وأنه سميع بصير ويسمع ويبصر ويعلم ويرحم ويغضب ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع هذه صفات الأفعال on croit comme on croit aux attributs qu'Allah s'est attribué pour lui-même non seulement on croit au nom mais on croit également aux attributs Allah s'est donné pour lui-même. Comme par exemple, Allah il se décrit d'une façon, et donc on accepte ces descriptions-là et ces attributs-là. Il a dit à propos de lui-même qu'il était alim, il a la connaissance, il est celui qui connaît, il est rahim, il est rahim, hein, il est miséricordieux, il est samir, il est audient, il est basir, il est voyant, yasma, il entend, il voit. Subhanahu wa ta'ala, il connaît, il sait toutes choses. Il est miséricordieux, il fait miséricorde à ses créatures. Il se met en colère des fois contre ses créatures. Yu'ti, il donne. Yamna, il enlève, il empêche certaines choses, que certaines choses atteignent ses serviteurs. Yurfid, il rabaisse et il élève. Donc ça fait partie des caractéristiques et des attributs que Allah s'est donné à lui-même. Et le chef, il dit que ça fait partie des attributs des actions. Ok? Sifatul af'al. Sifatul af'al. Et quand on dit sifatul af'al, les attributs des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces attributs-là sont reliés à sa volonté. Il les fait quand il veut. Quand il veut les faire, il le fait. Quand il ne veut pas les faire, il ne le fait pas. C'est ça la différence entre les attributs des actions et les attributs de sa personne, de son être, qui font partie de lui. Hein, quand tu dis « sifat al-zat », c'est les attributs de lui, de son être, de lui, qui font partie de lui. Et les attributs de ses actions, c'est des attributs qui sont reliés à sa volonté. Il les fait quand il veut. Hein? Et quand tu dis, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va voir par exemple qu'il a une main ou qu'il a d'autres attributs, ça fait partie de son être. On va voir, Inch'Allah, le cheikh il dit « وَصِفَاتُ الزَّاتِ كَذَلِكَ أَنَّ لَهُ وَجْهًا » Il a un visage, comme on a dit. Là, il a des attributs qui font partie de lui, et ça c'est comme par exemple son visage. وَلَهُ يَدَيْن » Il a deux mains également. Ça fait partie de lui. وأن له سبحانه وتعالى صفات الكمال صفات الكاملة tous les attributs d'Allah sont des attributs parfaits ils sont des attributs de perfection donc quand on dit qu'Allah a un visage et deux mains c'est pas des attributs d'imperfection c'est des attributs de perfection d'accord et le cheikh il dit نثبت لله ما أثبت لنفسه on affirme pour Allah ce qu'il s'est affirmé pour lui-même أو أثبته له رسوله من الصفات الذات ومن صفات الأفعال on affirme également les attributs qu'Allah a affirmés pour Allah dans ses paroles parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il parle d'Allah il ne parle pas de ses opinions personnelles ou de ses désirs il parle selon la révélation qu'Allah lui a donnée et donc on doit accepter les choses que Allah a dit au sujet les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet d'Allah, on doit les accepter parce qu'il parle de, selon la révélation d'Allah, selon ce qu'Allah lui a révélé à son sujet. Ensuite, il dit qu'on doit croire donc aux attributs qui font partie d'Allah, les attributs de son être, et les attributs qui font partie de ses actions. Maintenant, le cheikh il dit un point important, il dit « voilà notre dakhal » بعقولنا وآرائنا وأفكارنا ونقول هذه الصفات أو هذه الأسماء موجودة في البشر فإذا أثبتناها شبهنا كما يقول المعطلة بل نقول إن لله أسماء سبحانه وتعالى وصفات تليق بجلاله وللمخلوقين أسماء وصفات
تليق بهم والاشتراك في الاسم أو الاشتراك في المعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. Donc le cheikh il explique et il dit donc que on ne doit pas rentrer dans ces attributs-là et dans ces noms-là avec nos raisons, avec notre raison, ou bien avec nos opinions ou nos pensées, commencer à essayer d'imaginer des choses. On peut pas imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est impossible. Parce que aucune tête, aucun esprit, aucun cerveau ne peut arriver à comprendre Allah. Personne. D'accord? Donc, même si on essaie d'imaginer quelque chose, on ne peut pas imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. On essaie, mais dis-toi, comme les ulama ont dit, si tu arrives à imaginer quelque chose, c'est pas Allah. Exactement. Tu arrives à imaginer quoi que ce soit, sache que cette chose-là, c'est pas Allah. Hein? Donc, le chef il dit donc qu'on ne doit pas rentrer avec notre imagination, avec nos idées, avec nos pensées, avec notre logique, essayer de rentrer dans les noms et les attributs d'Allah. Ça, c'est interdit. Parce que, il y en a qui disent, mais les attributs que Allah s'est donné, elles sont présentes dans les êtres humains également. Hein? As-Sam', Al-Basar, hein? Al-Rahma, Yanni. Ça, c'est des choses qui existent chez les êtres humains. La vue, l'ouïe, hein? La miséricorde, hein? Ces choses-là, c'est des choses qui sont chez les êtres humains. Et Allah, il s'est décrit avec ces attributs-là. Donc, le cheikh, il dit donc, si elles sont présentes chez les êtres humains et qu'on les affirme à Allah, donc on a fait des ressemblances entre Allah et sa création. Hein? Comme les gens de Bid'a qui font le ta'til, on les appelle al-mu'attila. Eux, ils nient les attributs d'Allah, ou ils déforment le sens des attributs d'Allah. À cause de ça, ils pensent que le fait de les affirmer, ça vient faire une ressemblance entre le Créateur et la créature. Et ça, c'est faux. Hein? Ça, c'est faux. Le cheikh, il répond à ça. Et les Mu'attila, parmi les groupes de Mu'attila, c'est, comme par exemple, les Jahmiya, les Asha'ira, les Mu'tazila, les Maturidiyya, ça c'est différentes sectes qui font partie des sectes qui nient les attributs d'Allah ou qui déforment leur sens. Hein? Et donc ces groupes-là, c'est des groupes parmi les groupes de Bid'a qui ont dévié de la Sunna à ce sujet-là. Donc, le chef il dit, que on doit dire que Allah a des noms et des attributs qui conviennent à sa grandeur et à sa majesté et à sa perfection. Et la créature, les êtres humains et les animaux et les autres, ont des attributs qui leur conviennent. Parce qu'ils sont créés. Donc, le créateur a des attributs qui lui conviennent et la créature a des attributs qui lui conviennent aussi. Et, والاشتراك في الاسم ça veut dire que il y a le mot que je cherche pour traduire ça, non, il y a un mot clair en français qu'on utilise pour dire ce mot là qu'est-ce que ça signifie d'aller La seule chose que ces attributs-là ont en commun, c'est le nom. Ils ont seulement ça en commun. C'est-à-dire, quand on dit Yad, Yadullah et Yadul Insan. On dit la main de l'être humain et la main d'Allah. La seule chose que ces deux mains-là ont en commun, c'est le nom. Rien d'autre. Parce que la main d'Allah est incomparable à celle d'une créature. Ok, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Donc ça ne veut pas dire que c'est le même mot qui est utilisé, que ça implique que ce soit la même réalité et la même chose. D'accord? Donc ils n'ont rien d'autre en commun à part
le nom ou bien la signification. Ils n'ont rien d'autre en commun que le nom ou la signification. Mais ça n'implique pas du tout qu'il y ait un, disons, une réalité commune entre ces différents attributs-là. D'accord ? Oui. Yad al-fil. Hein? Yad al-fil. Yad al-fil. Oui, oui. Non, c'est vrai. Yad al-fil. Oui. Yad al-fa'r. Al-fa'ra. Ou yad al-naml. La main de la fourmi. Et la main de l'éléphant. Est-ce qu'il y a une ressemblance entre les deux ou est-ce que c'est la même chose? Non. Hein? Tu ne peux pas comparer les deux. Et donc, la main de l'être humain, la main d'un singe, il y a des différences. La main d'un animal, la main d'un être humain, c'est pas la même chose. Par exemple, on dit par exemple, la face d'un être humain, la face d'une pièce de monnaie, la face d'un immeuble, hein, c'est tous des différentes faces. Ça ne veut pas dire que quand on dit la face d'Allah, ça implique une ressemblance. Parce que déjà, entre ces différentes créatures-là, quand on parle de face, on ne parle pas de la même chose. Hein? La face de l'immeuble, c'est pas pareil comme la face d'une pièce de monnaie, c'est pas pareil comme la face d'un être humain. Et donc, il n'y a pas de ressemblance. Donc le cheikh nous dit quoi? Il dit ensuite, خذ مثلا الجنة فيها أعناب وفيها نخيل كما ذكر الله وفيها رمان وفيها أسماء موجودة عندنا في الدنيا ولكن ليس ما في الدنيا مثل ما في الدنيا ليس ما في الجنة مثل ما في الدنيا أبدا ليس النخيل التي في الجنة مثل النخيل التي في الدنيا والرمان ليس مثل الرمان الذي في الدنيا وإن اشترك في الاسم والمعنى وكذلك أسماء الله وصفاته. الشيخ البنا un exemple. Il dit, quand par exemple le paradis, dans le paradis il y a des raisins, il y a des grappes de raisins, il y a des palmiers, hein? Et il y a des pommes-grenades, رمان, hein? Et il y a des choses ou des noms qui sont présentes pour aujourd'hui dans la dunya, qui ont, dans le paradis, qui ont le même nom. Toutefois, ils ne sont pas du tout pareils à ceux qui sont dans la dunya. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ أَيْنَا سُرَةُ الْبَقَرَةِ. Donc, c'est comme si pour dire que même s'ils ont le même nom, même signification, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a une parole que j'ai entendue, ça fait longtemps, je ne sais pas si c'est un hadith ou si c'est une parole des salafs, mais ça disait que si tu goûtes un grain de raisin du paradis, c'est meilleur que tous les délices que quelqu'un a pu goûter dans cette dunya. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de comparaison entre le raisin qui est dans cette dunya et le raisin qui est dans le paradis. Hein? Donc ça, c'est juste un exemple. Et j'avais donné l'exemple aussi, une fois, des ruisseaux qui coulent dans le paradis. Les ruisseaux de miel, les ruisseaux de lait, les ruisseaux de vin, les ruisseaux avec du nom pur. Et ils coulent dans l'air. C'est des ruisseaux qui coulent comme ça, ils n'ont pas de rivière. Ils n'ont pas comme un cours d'eau sur la terre, c'est autre chose, yani. C'est comme si ils n'ont pas de, je ne sais pas comment dire le mot, ouais, ils n'ont pas de lit là qui les limite comme les Aynar. Donc, c'est pas pareil comme les choses dans cette vie. Donc, on va pas dire, ah non, ça c'est symbolique, c'est pas réel. Ces choses-là dans le paradis, c'est juste symbolique. Comme les gens de Bid'a, qui nient les attributs et qui nient les noms d'Allah, et ils nient également les réalités qui sont dans le rêve, ils disent non, ça n'existe pas réellement, c'est des choses symboliques. Hein? Ça existe juste dans la tête. Donc ça, c'est faux. Et donc, on croit tel que Allah nous l'a dit, on y croit. Hein? Et donc, le nom est le même, et la réalité
le nom est le même, et la signification est la même, mais la réalité de qu'est-ce qu'elle implique, cette chose-là, c'est pas du tout la même chose. Elles n'ont rien en commun dans leur réalité. وكذلك أسماء الله وصفاته وإن اشتركت مع أسماء المخلوقين وصفاتهم باللفظ والمعنى فالحقيقة والكيفية مختلفة لا يعلمها إلا الله فلا تشابه إذن في الخارج والواقع أبدا لأن الخالق سبحانه لا يشبهه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه كما تقوله المعطلة والمؤولة وإنما هذه من قصور أفهامهم أو ضلالهم وبغيتهم على الحق الشيخ يزيد donc que même si les noms et les attributs d'Allah ont même si les noms et des attributs d'Allah les noms et les attributs d'Allah et les noms et les attributs des créatures ont en commun le mot hein, les mots et les significations, ça n'implique pas du tout que leur réalité soit la même. En réalité, leur réalité et le commun de ces attributs-là et de ces noms-là est totalement différente. Donc il n'y a pas de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de la création, et c'est seulement Allah qui connaît comment sont ses attributs et comment sont la réalité de ces noms-là. Fala tashabah, il n'y a pas de ressemblance dans la réalité entre ces deux-là. Parce que le Créateur, rien ne lui ressemble. Il n'y a rien qui soit pareil à lui. Et c'est lui l'audient et le voyant. Et donc, le fait d'attribuer à Allah les noms et les attributs qu'il s'est attribué, il n'y a là-dedans aucun tashbih. Il n'y a pas de tashbih là-dedans. Comme les gens de Bid'ah, que ce soit les Ahbash, que ce soit les Mu'attila, les Asha'ira, les Maturidiya, les Mu'tazila et les autres gens de Bid'ah qui nient les attributs d'Allah, hein, il n'y a pas de tashbih. Et ceux qui disent, ah, les Wahhabis, ce sont des Mushabbihin, ou ce sont des anthropomorphistes, comme ils disent, ah, les Wahhabis, ce sont des anthropomorphistes, ce sont des gens. Anthropomorphiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ressembler quelque chose à un homme. C'est ça que ça veut dire. Donc ils disent que les Wahhabiyas, les gens qui croient, qui suivent la voie des salafs, qui comprennent l'islam selon la compréhension des sahaba, eux sont des mushabbiha. Et ça c'est complètement faux. Hein? On n'est pas des anthropomorphistes, et on ne fait pas ressembler Allah à un être humain, et on ne fait pas ressembler Allah à une créature. On affirme uniquement les attributs d'Allah tels qu'il se les est attribués à lui-même sans faire de ressemblance. Et en même temps, on ne nie pas la réalité des significations de ces attributs-là. Donc, on n'est pas des anthropomorphistes et on affirme les attributs d'Allah. Et on ne dit pas que le fait d'affirmer ces attributs-là, on ne dit pas que le fait de les attribuer à Allah implique une ressemblance, comme contrairement à ce que prétendent les Mu'attila. Mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah, et les Mu'awwila, ceux qui font le tahrif, qui déforment la réalité des sens des attributs d'Allah. Ils vont dire par exemple, non, quand Allah dit les yeux, qu'il a des yeux, ça ne veut pas dire des yeux, ça veut dire sa connaissance. Quand il dit qu'il a une main, ça ne veut pas dire sa main, ça veut dire une force. Quand il dit qu'il est au-delà du trône, Ar-Rahman al-Arshistawa, il dit non, ça ne veut pas dire qu'il est au-delà de son trône, ça veut dire qu'il est, par exemple, qu'il a réussi à conquérir, ou à prendre le pouvoir du trône, hein. Ou bien ils vont dire d'autres interprétations comme ça, ou qu'il est le maître du trône. Quand ils disent qu'Allah s'est élevé au-delà de son trône, ils disent non, ça veut dire qu'il est le maître du trône, ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est des formes de déformation des significations des noms d'Allah et de ses attributs. Et ça aussi c'est batil, c'est contraire, complètement contraire au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf salih parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis en bien. Et c'est contraire également à la langue arabe, dans comment elle était parlée au temps des salaf et au temps même avant l'islam, les arabes connaissaient pas ces
formes de ta'wil. Et donc nous on rejette ces façons-là qu'ils ont de déformer la réalité et de détourner le sens des mots de la langue. Et le chef dit « Wa inna ma hada min qusuri afhamihim » Ça c'est à cause de leur faiblesse de compréhension et ou bien c'est à cause également de leur égarement et de leur transgression contre la vérité. « Wa inna kullun ya'lamu al-farq bayna al-makhluq wal-khaliq » Sinon tout le monde sait la différence entre le créateur et la créature. Regardez par exemple, vous connaissez les aigles, c'est quoi un aigle? C'est un oiseau? Ok. En passant, il ne faut pas mettre des chandails avec des dessins dessus, ok? Avec un être humain, ok? Inch'Allah. Bon, les aigles, ils ont une vue très très... Ils ont une vue une vue perçante là, hein. Ils ont une vue perçante, les aigles. Il est à des kilomètres dans les airs et il voit une petite souris là, très très petite, il la voit puis il plonge, il l'attrape. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que notre vue à nous et la vue de l'aigle, elle n'est vraiment pas la même. Nous on n'est pas capable de voir à la même précision que l'aigle. Et ça c'est deux créatures, on est deux créatures d'Allah. L'aigle c'est une créature d'Allah et nous on est une créature d'Allah. Il y a des animaux, naam, qui ont des ouïes très très précis. Ils entendent des bruits qu'un être humain ne peut même pas entendre. Hein? Par exemple, ils ont des ondes sonores, ils sont capables de les entendre, alors que nous, là, cette gamme-là, peut-être, elle est trop aiguë. Pour nous, on n'est même pas capable de l'entendre. Comme une chauve-souris, exact. C'est ça. Donc, quelqu'un, là, par exemple, il y a des sifflets qu'on utilise pour les chiens parfois. Tu peux souffler dans ce sifflet-là de toutes tes forces, tu vas jamais entendre un son sortir de ce sifflet. Pourtant, les chiens qui sont autour de toi, ils sont en train de devenir fous. Hein, ils sont en train de courir comme des fous autour de toi. Donc, c'est pour te dire que l'être humain, son ouïe est limitée et sa vision elle est limitée. Donc, ça c'est quand tu compares la vision et l'ouïe de l'être humain par rapport à un autre être humain. Maintenant, Subhanallah, Allah il est plus grand encore. Il voit tout, il entend tout, il sait tout. Il n'y a aucune comparaison entre Allah et sa création. Hein? Donc, la vision d'Allah, c'est une vision parfaite et complète. Hein? Et la l'ouïe d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une ouïe parfaite et complète. Il voit tout, il entend tout. Même si tu es toute seule dans une pièce, tu es enfermé au fond de la terre dans une mine de charbon ou d'or ou n'importe je sais pas où, tu es tout seul dans le noir et puis tu chuchotes ou bien tu dis quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala il l'entend. Et il sait ce que tu dis dans ton cœur. Subhanallah. Donc, on ne peut pas comparer Allah, les attributs d'Allah avec les attributs de sa création. Et le fait qu'il ait dit que, par exemple, qu'il voit ou qu'il entend, ça n'implique pas du tout qu'il soit comparable ou qu'il y ait une ressemblance entre lui et sa création. Et ça, c'est la même chose pour toutes les attributs d'Allah. C'est la même chose pour toutes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout le monde sait qu'il y a une différence entre la création et le créateur et la créature. Kama anna al-makhlouqat nafsaha fiha fawariq. Comme on a dit, il y a des différences entre les créatures elles-mêmes. فليس مثلا الفيل مثل الذرة والبعوضة أبدا وإن اشتركت في بعض الصفات والبعوضة لها سمع مثلا والفرس له سمع والبعوضة لها بصر والفيل والفرس لهما بصر هل يقتضي هذا أن تكون البعوضة مثل الفيل أو مثل الفرس؟ لا
وإن اشتركت في الأسماء فلا تشترك في الحقائق والمعاني. Donc il y a des animaux, différents animaux, le cheikh il donne des exemples, il donne le moustique, le cheval, l'éléphant, hein? Tout ça c'est des animaux, mais ça ne veut pas dire que le fait qu'ils soient tous des animaux, qu'ils sont pareils, hein? Il y a des différences, il y a des différences dans leurs attributs, dans leurs caractéristiques, hein? Et donc ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils dans tous leurs attributs, ça c'est le point. Le cheikh il dit إذا كان هذا الفارق بين المخلوقات فكيف بين الخالق المخلوقات كما هو هذا الاكزامبل هذا الشوز نحن نقر لله بما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفى المثلية وأثبت السمع والبصر فدل على أن إثبات السمع والبصر وغيرهما من الصفات لا يقتضي المثلية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون اللهم لا يشبهه أحد من خلقه. Donc là c'est un résumé, le cheikh qu'est-ce qu'il dit là maintenant, c'est un résumé de tout ce qu'il a dit précédemment. Il dit à propos du troisième catégorie de tawhid, tawhid dans les noms et les attributs d'Allah, il dit qu'on doit affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, et ce que le prophète a affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de tahrif, sans déformer, sans faire de ta'til, sans nier les attributs, la réalité des significations de ces attributs-là. Mais le vrai taqif, sans faire de taqif, c'est-à-dire on ne demande pas comment sont ces attributs à Allah, voilà un tamthil. Et on ne fait pas de, on ne dit pas qu'il y a une ressemblance. Et on ne compare pas Allah avec sa création. Allah, il dit dans le Coran, comme on l'a dit plusieurs fois, « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir » Il n'y a rien qui soit pareil à lui, et c'est lui qui voit, qui est le sami', qui est l'audient et le voyant. Subhanallah. T'as pas vite. Donc, le cheikh dit ensuite, donc il dit qu'il a nié qu'il y ait une ressemblance et il a affirmé, il a affirmé l'ouïe et la vue. Donc ça montre que d'affirmer l'ouïe et la vue et l'autre parmi les attributs d'Allah, ça n'implique pas du tout qu'il y ait une ressemblance entre Allah et sa création. Et il mentionne le verset 74 dans Sourate An-Nahl, ça dit « فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ » Ne faites pas des analogies ou des comparaisons à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il sait et vous ne savez pas. Ne faites pas des comparaisons et des analogies. C'est de comparer Allah avec les créateurs. Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui ressemble à Allah parmi sa création. Donc ça c'est les trois catégories de tawhid. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui et on continuera cela la semaine prochaine, Inch'Allah, même heure la semaine prochaine, 5h30, est-ce que vous préférez qu'on fasse ça à une autre heure, 6h, non? Parce que si je fais à 6h, des fois les frères ils partent après la prière de l'Asr, donc je pense que c'est mieux de la laisser 5h30, hein? Ouais, 5h30 c'est mieux. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفيكم بركه ان شاء الله.